Bonjour, je le présente, moi Mêlé, qui aura le dernier mot. Donc dans ce jeu, vous avez pour 4 joueurs un plateau. Donc ici, on enlève le support amovible. On prend une des feuilles ici. On la glisse ici. On pose le plateau dans les trous. On pose ici le cercle vert. Hop. Et là, on a par exemple le mot melon. Donc les joueurs ont des petites pastilles. Normalement, il y a un petit buzzer, vous voyez, alors qui a disparu avec le temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Eh bien, le premier qui trouve le mot melon buzz, prend le buzzer et appuie dessus. Donc par ici, par exemple ici, eh bien, on pourrait dire, comme on n'a plus le buzzer, eh bien, le premier qui trouve dit hop, j'ai trouvé. Donc les joueurs cherchent le mot melon. Et le premier qui trouve, eh bien entendu, posera ses pions dessus. Hop, un joueur a trouvé, le joueur rouge M. E, L, O, N. On tourne ensuite. Donc on tourne ensuite. Hop. Alors. Voilà. Hop. On tourne ensuite avec la petite molette ici. Il y a des petites molettes partout. Hop. Mur. Donc là, tout le monde cherche mur. Donc ça peut être à l'endroit, à l'envers, horizontalement, verticalement. Donc mur. Les joueurs cherchent. Hop, il y en a qui a trouvé le joueur jaune. Donc ça peut être en diagonale aussi, à l'endroit, à l'envers. Donc ensuite on tourne le mot noix. Hop, un joueur a trouvé, c'est le joueur rose. Voilà, on fait tous les mots et à la fin, eh bien, on regarde celui qui a le plus de pastilles de couleur. Donc ici, c'est le joueur rouge qui aurait gagné. Voilà, donc vous avez plein de choses, hein. Vous avez le corps, vous avez les épices, etc., etc. Recto verso, excellent jeu, le jeu mot mêlé pour 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs aux éditions Goliath. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.